Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve pour un petit haul action. Ouais, il y a de la promo et il y a de la nouveauté. Alors on est, je sais pas quand est-ce que je vais le poster, donc on est le 25 avril et j'ai des choses à vous montrer. En premier temps, j'ai acheté ceci. Ce sont des produits anti-puce pour chiens et chats. Voilà. Donc, pour les chats, il n'y a pas de dose. C'est une dose par animal. Ils disent... Alors, on a cherché avec les collègues, mais ce n'était pas noté derrière de combien de toutes les combien de fois il fallait faire. Donc, en l'ouvrant, parce que je l'ai tout de même acheté, ils disent que c'est une pipette toutes les 4 semaines. Donc, une pipette par mois. Dedans, nous en avons 6. Ce qui fait que si vous avez un seul chat, ça vous fait 2,79 pour 6 mois. Mais que s'ils sont infestés déjà, il leur faut tous les 8 à 10 jours lorsqu'ils sont présents. Et s'ils prennent un bain prolongé, c'est-à-dire que si vous allez en promenade et qu'ils se baignent pendant je ne sais combien de temps, il vaut mieux réitérer le traitement. J'ai fait, on verra, là les animaux sont où? Les chats? Les chats sont dehors. Au passage, la prochaine fois, je me fâche parce que Coca a encore dormi dans la maison. Et il a gratté à la porte. Bref. Donc ça, c'est 2,49€ ou 2,79€? Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Non, c'est bon. Perdu, Céline. Donc, ils sont... Ah non, 3,79. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas... Morgane, il n'y a pas de tremblement de terre ici. Arrête. Donc, 3,79. Vous en avez 6 dedans. Dans tous les cas, ça revient moins cher que les autres. Donc, on verra si ça fonctionne. Mais tout le monde me dit que ça fonctionne très, très bien. Donc, voilà. Ah oui, et pour les chiens, par contre... il vous faut une dose pour les chiens qui font moins de 15 kg. Et à partir de 15 kg jusqu'à 30 kg, il faut 2 doses. Voilà. Ensuite, j'ai pris une sangle comme ceci pour mettre sur les sacs. Et parce que j'ai dit que j'allais me racheter un sac banane comme j'ai là, le jaune. En beige, je vais m'en racheter un noir. Un noir qui va avec tout. Et du coup, pour changer la sangle, j'ai pris celle-ci, c'est 1,99€. Et enfin voilà, ça fera très très bien l'affaire. Mais il est beau en plus. Pour 1,99€, c'est réglable. Donc, ça ira très très bien. Ça part comme des petits pains, ce genre de choses. Ensuite, j'ai pris des feutres comme ceci. Ça, c'est 99 centimes. J'ai même été étonnée, je m'attendais à plus. Donc, 99 centimes. Dedans, vous avez le coloris 38, 45, 279 et 23. Donc, le pale yellow, le canaria yellow, le deep saffron et le orange. Voilà, c'est cela. Ça, c'était 99 centimes. En promo de la semaine, j'ai pris ça. C'est des nouveaux. C'est les nouveaux qui viennent de sortir, les nouvelles couleurs. J'en ai déjà, je crois que j'ai toute la panoplie, je crois. Donc ici, il n'y a pas de numéro. Enfin, j'ai pas vu. Ah, j'ai pas vu. C'est pas grave, on verra bien. Du coup, ça me revient, je crois que c'est à la base de 2€ et des cacahuètes ou 1,99€, un truc comme ça. Bref, ils sont en promotion à 1,69€. On va les ouvrir pour voir si il y a des numéros sur les crayons. Il y a normalement les derrière. Ah ouais, donc il y a les numéros. Donc là, c'est du 120. Alors, ah oui, non, c'est des intermédiaires, je crois. Vous avez le 120, 122, 119, 112, 113, 111, 117, 115, 274, 47, 48, 110, 44, 109, 124, 52, 125 et 46. À un moment donné, il faudra les ranger. Quand on aura tout, il faudra les ranger par ordre. Il faudra surtout me laisser mes affaires à moi. Vous en voulez, vous les achetez? Moi, j'ai les miens, moi, c'est juste... Voilà, en fait, c'est écrit ici, et la couleur, elle est là. Très, très bien. Donc, ce coloris-là, bleu, vert, qui donne aussi un petit peu du gris. Voilà. Nous avons ce coloris-là, dans lequel c'est du
rose, un petit peu qui tire vers l'oranger et le jaune. Et là, on a plus tout ce qui est dans les gammes violettes. Voilà. Pour 1,69€, c'est très, 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 très bien. Ensuite, ben, j'ai repris des sous-vêtements. J'ai payé mes sous-vêtements 4,29€. Il y en a deux dedans. Donc, moi, je prends taille XL, 48,50. Hein, je n'ai pas peur de le dire. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est ça. Ma Barbie Face. J'en ai déjà des comme ça. En plus, j'en ai déjà des comme ça. Non. Dis pas de bêtises. Elle m'énerve, t'invente. N'invente pas. Je t'ai bien dit, il n'y a rien d'intéressant à inventer. Alors, on va essayer de ne pas abîmer la dentelle. Voilà. Donc en fait, vous avez une culotte basique devant et à l'arrière, voilà, c'est texturé. Voilà. Et moi, j'aime bien. Ça va, c'est assez extensible. Donc ça va, je suis en train de maigrir, mais je ne suis pas encore au point de devoir vraiment changer de taille. J'oscille entre deux tailles, donc voilà. Ça, c'était 4,29€. Donc, du coup, ça revient à 2€ et des cacahuètes. La culotte. Sangle, j'en ai repris une deuxième. Voilà. Il y en a aussi une léopard, une zèbre et il y en a encore une autre, je crois. Je crois. Bref. Donc, voilà. Ce qui est dommage, c'est que toutes sont en doré. Il n'y en a pas d'argenté. C'est la seule chose de moi. Ensuite, ça, c'est un achat que je fais chaque année. Je réitère mon achat chaque année. Et chaque année, je le ferai s'il continue à en faire. Ce sont des patchs comme ça à la citronnelle. 99 centimes, vous en avez 24. C'est bon, 72 heures. Et c'est nickel. Le soir, je colle ça sur les pyjamas à l'arrière, sur les pyjamas des enfants. Ça fait déjà des années que je le fais. Dragan, il était tout petit. J'en mettais sur les body. Bon, pour vous dire, Dragan va avoir 8 ans cette année. Ouais, 8 ans cette année. Dragan va avoir 8 ans cette année. Donc, ça fait au moins 7 ans et demi que je le fais. Voilà. Donc, au camping et même à la maison. Je vous en mets tout le temps. À la maison, il y en a souvent. Ouais. Ouais. C'est mal. Non, pas le plus, c'était un. Pas le plus, un. C'est tout. Et on va pas au camping, c'est pas les grand-mères. Ouais. Ensuite, ça c'est mes achats d'aujourd'hui, ça c'est les achats de je sais plus quoi. Pour ma progéniture qui ne le mérite pas, oui, vous le méritez pas. Ma progéniture. Une progéniture, c'est plusieurs. Ah! Mémel, arrête avec ce visage, je t'ai engueulé déjà pour ça. Mais je souris, c'est tout. Non, tu souris pas. Tu grimaces. Mais non. C'est pas un sourire. J'ai pris des gourdes. 99 centimes. Et je les ai pris parce qu'elles ont la particularité pour l'été, même si ça ne va pas servir énormément, d'avoir... Elle est toujours émerveillée de tout. Hein. Bon, c'est galère à enlever. Hein. Voilà. Vous avez la gourde, ça en plastique banal. Et du coup, vous pouvez faire un glaçon là-dedans. Donc ça, vous le faites là. Et du coup, après, tu bois comment là-dedans? Ok. Il n'y a pas des trous dans le truc? Ah si. Ça passe quand même, ben, je crois. Ah, c'est juste un bougeon à dévisser, il fallait pas déclipser. Oui, j'ai mis ma bouche dessus, je m'en fous.
les microbes et tout. Donc en fait, vous mettez de l'eau dedans, vous mettez à congeler et ensuite, ben, vous mettez de l'eau là-dedans. Le glaçon, je remets ça. Voilà. Le glaçon, vous refermez. Et voilà, le glaçon viendra réfrigérer. Le but n'est pas de mettre de l'eau à température ambiante quand même, c'est garder la boisson le plus fraîche possible. Donc le but, c'est de mettre de l'eau quand même déjà froide. Ils disent de mettre de l'eau dans le tube et de le placer au minimum 4 heures dans le congélateur. Voilà. Donc, une rose Tiffania, une bleue Dragan et une grise Morgan. Ou bleu Morgan et une grise Dragan, peu importe. 99 centimes. Ensuite, dans le but de goûter, j'ai pris... Oh, j'avais pas vu. J'ai pris des boissons au citron. C'est des nouveautés, c'est sans sucre. Ils disent que c'est Sour Raspberry Lemon. Donc, sour, c'est sûr. Raspberry, c'est framboise. Et lemon, c'est citron. En fait, il y a soit du citron, sauf qu'il y a un autre fruit avec. Donc, on verra. Et là, c'est à la fraise et citron. Donc, voilà. Ça, j'ai payé combien? $0,59 la boisson acidulée. C'est acidulé. Hein. Donc, je goûterai et je vous dirai. Ensuite, pour cet été, j'ai pris ceci. 1,76 €. Il est bloqué. Pour vous donner un ici. C'est du vent. Ouhou. Et ça, pour cet été, ça va être super. Franchement. Et en plus de ça, vous avez un petit truc là pour le poser. Et voilà. Quand je vais être bien avec ça, c'est à pile. Il y en avait un autre. Si, il y en a encore parce que c'était la fin. Il y en avait un autre, c'était 3,46 €. Vous pouviez le recharger, tout ça. Je ne vais pas le recharger tout au long de l'année, donc c'est pas la peine. Je prends ça. Au pire, je prends des piles rechargeables. Ça ira très bien. Et ensuite, c'est des nouveaux. Arrête. Casse-pied. Et ça ira à la poubelle. En nouveauté, c'est en soin. Alors, je vais vous montrer à la fin ce qui m'intéressait le plus. J'ai pris déjà les Dewy Drops Hydroglow with Water Moving Scent. Vous êtes content de le savoir. Hein. Ce sont des gouttes illuminatrices à la pastèque. Oui, j'ai une tête de folle, mais je m'en fous, je sors du travail en fait. Donc, French. Appliquez quelques gouttes sur le visage propre et sec, massez amplement du bout des doigts et utilisez ensuite une crème de jour. Tout simplement. C'est à l'aloe vera, à l'acide hyaluronique, witch hazel et de l'eau de rose. Les gens très respectueux en ont ouvert 50. Si vous voulez vraiment en ouvrir, ouvrez-en un et respectez, regardez s'il y en a encore, s'il y en a d'ouvert, n'ouvrez pas tout. C'est inutile. Donc ça se présente comme ça, sous forme de pompe. Ça sent bon. Et c'est liquide. Enfin, c'est... C'est pas vraiment liquide, c'est un peu... C'est un peu gélifié. Vous voyez ? Très légèrement gélifié. Je testerai, je vous dirai. Et si ça va bien, ben j'irai en rechercher. Le dernier truc que je vous montrerai... Du coup, j'en ai pris deux. Déjà. Ensuite, du coup, il y avait la crème hydratante. Donc, Moisturizer Hydration Boost. Donc, c'est un booster d'hydratation. C'est pareil. À l'acide hyaluronique. Ça nous, il nourrit avec le beurre de karité. Et ça calme grâce à l'alantoin. Et là, il n'y a pas de français. Ah si. J'aime bien ce qu'ils disent. Crème hydratante. Point. Pastèque. Appliquez la crème sur une peau sèche et propre. Je vous mens pas. Ils vous appellent pastèque. Vas-y, regarde. Pastèque. C'est des fous. C'est des fous.
Pareil, ça se présente sous forme de pompe en plus petit format. Prélever ça à la pompe, ça va être compliqué, je pense. Parce que c'est vraiment une crème. Ça sent bon. Oh là là. Ça sent super bon. Super bon. Et ensuite, le clou du ce pourquoi j'ai dit j'en prends, c'est sûr. Je l'essaye ce soir. Si ça fonctionne bien, je vous en parlerai en vlog. Je vous en aurai parlé en vlog. Et je m'en reprendrai encore au moins 3. Facile. C'est un baume démaquillant. Tout simplement. Donc, qui nettoie gentiment la peau. Dedans, vous avez 70 grammes. Pour... Alors, attendez, je ne vous ai pas donné les prix, mais... 1,99€ le produit. Voilà. C'est comme ceci. Donc, c'est un baume. Bon, ça, c'est moi en le pressant. Et, vous voyez, en fait, ça... Ça devient de l'huile, voilà. Et quand vous voulez démaquiller... Donne-moi un peu, j'ai un eyeliner. Merci. On va faire le premier test. Tu mets pas tes doigts. Hein. Regardez, là, quand je fais ça sans le baume, ça s'en va pas. On va regarder avec le baume. Oh là là, ça va être une dinguerie. Oh là là, ça va être une dinguerie. Après, il faut le nettoyer votre peau. Hein. Il faut savoir qu'il faut quand même nettoyer votre peau. Demain, j'en rachète. Demain, j'en rachète parce que clairement, ça va être une pépite. S'il roule sur le film du succès, enfin, qu'est-ce que je raconte? S'il profite du succès que ça va avoir et de la qualité du produit, franchement, ils vont faire ça va être un incontournable. Ça, et en plus de ça, s'ils arrivent à faire, parce que ils pourraient faire ça en mode coco, en mode passion, fruit de la passion, à la pêche. Ils pourraient décliner comme ça, faire une déclinaison de senteurs et tout ça. Ça, Pépita, ce maman de mademoiselle. Voilà, bref. Je vais me bouffer. Bref, ceci étant dit, étant fait, je vous en parlerai quand même en vlog pour vous dire si ça vaut le coup ou pas. Donc n'hésitez pas à me suivre en vlog. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous ne savez pas comment mettre le petit arc-en-ciel. À mettre un pouce en l'air si ça vous a plu. À vous abonner si c'est toujours pas fait si vous le désirez. Moi je vous accueille avec plaisir chez moi, il n'y a pas de problème. Un petit arc-en-ciel. Et puis sur ce, je vous laisse. Je vais manger un truc vite fait et je vais aller me pioter. Bye!